Seine-et-Marne, 19 juillet 2004. Un corps féminin dénudé, maintenu en position fœtale par du scotch noir, est repêché dans le canal de l'Ourcq, à hauteur de l'écluse de Fresnes-sur-Marne. Le cadavre est en état de putréfaction avancée. Lorsque nous arrivons sur la découverte d'un corps noyé, nous avons tout à fait conscience qu'il ne s'agit pas de la scène de crime proprement dit. Le corps va dériver sur des grandes distances parfois, donc nous savons pertinemment que le lieu d'émersion du corps n'est pas le lieu où s'est produit le crime. Un corps qui séjourne dans un milieu liquide va se décomposer moins vite qu'un corps qui séjourne à l'air libre. Mais au bout de quelques jours, le corps sera déjà donc gonflé, boursouflé, et on peut avoir du mal à identifier de façon macroscopique, au moment du sortir du corps de l'eau, on peut avoir du mal à identifier la personne. Lors des constatations qui seront faites sur le corps, donc sur les lieux de découverte du corps, évidemment, on va quand même essayer de voir s'il y a déjà des traces, des blessures qui seraient visibles à l'œil nu, comme une plaie par arme à feu, des plaies par arme blanche, des hémorragies extériorisées. En l'absence de tout ça, il ne faut pas pour autant privilégier complètement la thèse de la noyade. Les techniciens d'investigation criminelle estiment que le cadavre a séjourné plus d'une semaine dans le canal. Des prélèvements d'eau sont effectués 30 mètres en aval et 30 mètres en amont du corps pour être analysés. Le corps est déplacé avec précaution pour ne pas l'endommager davantage. Sans plaie apparente, les gendarmes ne peuvent pas encore se prononcer sur les causes du décès. Nous sommes appelés le 19 juillet en matinée. Les agents d'entretien de l'écluse de Fresnes-sur-Marne ont repéré bloqué dans le barrage de l'écluse un corps. Donc aussitôt ils donnent l'alerte aux pompiers et aux gendarmes locaux, et nous, étant en permanence au groupe criminel à Paris, sachant qu'il va évidemment s'agir d'un cadavre, nous sommes appelés. Il y a une petite maison, la maison de l'éclusier, et puis ce canal où les gens pêchent, mais bon, c'est très à l'écart, hein. Mais c'est un endroit qui est fréquenté parce qu'on vient s'y promener, parce qu'on vient y faire du vélo, on vient y pêcher. Voilà. Le corps n'est pas lesté, mais avec le courant, il a dérivé et il a été en fait bloqué par le barrage qu'il n'a pas pu passer. L'état de putréfaction est vraiment très avancé. Ce corps a certainement séjourné dans l'eau au moins une huitaine de jours. De l'eau est prélevée pour voir, pour faire des analyses, et puis après les techniciens d'investigation criminelle commencent les prises de vue, etc. On fait les premières constatations avant l'autopsie. Donc on recherche au niveau des berges toute présence éventuelle de véhicules, de vêtements, puisque la personne étant dénudée, on se dit bon voilà. Enfin, ceci dit, vu comment elle est déjà comment le corps se présente scotché et lié à certains endroits, on a quand même de gros doutes sur le fait que ce soit un suicide, quoi. Mais par contre, le corps ne présente aucun élément d'identification, pas de bijoux, pas de tatouage. La seule particularité que cette personne présente, c'est qu'elle a les deux incisives supérieures qui se chevauchent légèrement. Une fois les diverses constatations effectuées sur la scène du crime, le corps est transporté en milieu d'après-midi à l'Institut médico-légal de Paris pour y être autopsié. Il y a des altérations, notamment dû à un séjour prolongé dans l'eau. On procède systématiquement, dans l'autre cas aussi, on va procéder à la recherche de la lésion non visible au niveau de la peau, mais sous-jacente. Et ça, ces lésions sont particulièrement bien identifiées. Elles demeurent. Une forte contention, que quelqu'un qui est saisi, par exemple, est maintenu de façon forte au niveau des bras, par exemple, bien très appuyé, va laisser des ecchymoses au niveau des muscles sous-jacents et pas forcément visibles au niveau de la peau. En médecine légale, quand l'examen externe du corps ne permet pas de mettre en évidence des traces de violence, le légiste peut procéder à des incisions appelées crevées. Cela permet de révéler des hématomes sous-cutanés. C'est ainsi que le docteur Vorhoer va constater des marques de contention au niveau des poignets de la victime. L'autopsie a aussi pour but de dater la mort et d'aider les enquêteurs à identifier la victime. On peut estimer qu'un corps immergé, à une semaine, va commencer à être difficile à identifier. L'autopsie dira qu'il peut s'agir d'une femme d'origine maghrébine. Là encore, à cause de l'état de putréfaction avancé, le légiste n'est pas non plus certain de lui. En revanche,
Le médecin légiste est formel. La victime a été jetée dans les eaux du canal de l'Ourcq vivante, mais inconsciente. La jeune femme est morte noyée dans le canal, car on retrouve dans ses poumons la même eau que celle prélevée sur la scène du crime. Mais pour identifier la victime, les gendarmes ont bien peu d'éléments à leur actif. Seuls indices, elle est de type oriental, ses cheveux sont longs et noirs, et elle est âgée d'une vingtaine d'années. L'enquête commence sur le meurtre de cette jeune femme non identifiée, retrouvée noyée et ligotée. La résolution de cette enquête promet d'être difficile pour les gendarmes de la section de recherche de Paris. Mais le lendemain, coup de théâtre. Dans le canal de l'Ourcq, quasiment au même endroit que la veille, un second corps féminin est retrouvé. Dénudé et ligoté avec une sangle rouge, celui-ci est reconnaissable. Il n'a pas séjourné longtemps dans l'eau. Les gendarmes se rendent donc de nouveau sur les lieux du crime et reproduisent les mêmes gestes que la veille. Constatation, prélèvement et prise de vue. Le lendemain, quasiment à la même heure, nos collègues de la brigade des recherches de Meaux nous appellent en nous disant « Voilà, il y a un deuxième corps féminin, quasi dans les mêmes conditions et quasi au même endroit qu'hier. » Là, on n'y croit pas. On se dit « C'est pas possible. » Encore une fois, c'est vraiment du jamais vu. Donc, rebelote, bien sûr, on se transporte. Et là, effectivement, on a affaire à une femme totalement dénudée, qui a été également partiellement ligotée, pas du tout avec le même support. Là, il s'agit d'une sangle, hein, un peu comme on va se servir d'une sangle pour les mâles sur les coffres de voiture. Là, on a des différences par rapport à la veille, c'est que le corps visiblement a été mis dans l'eau depuis moins de 24 heures. Et on a quelques éléments d'identification. On a notamment un piercing au niveau du nombril. Je crois me souvenir qu'on doit avoir peut-être une petite boucle d'oreille ou un pendentif. Enfin bon, on a des éléments d'identification. Et puis surtout, on a un visage qui parle, qui est montrable, puisque le corps a séjourné beaucoup moins de temps dans l'eau. Le corps part en autopsie à l'Institut médico-légal de Paris. La victime est cette fois-ci une jeune femme de type caucasien, aux cheveux clairs, âgée d'une vingtaine d'années. De nouveau, la cause de la mort est la noyade. De nouveau, la victime a été jetée vivante, mais inconsciente, dans le canal de l'Ourcq. De nouveau, elle est ligotée et son corps porte des marques de contention. Avec deux découvertes de corps en 24 heures, la panique gagne Fresnes-sur-Marne. On met en place un dispositif avec nos collègues du groupe d'observation et de surveillance de Versailles qui lui sera particulièrement chargé la nuit de surveiller les abords de l'écluse de Fresnes au cas où quelqu'un reviendrait justement pour rejeter à nouveau un corps. On envisage que ça peut recommencer. On est obligé de mettre des cordons de sécurité avec des gardes mobiles et des gendarmes de la compagnie de Meaux, parce qu'effectivement les riverains commencent à venir, les gens s'inquiètent, on sent quand même qu'il y a une peur qui s'installe et que les gens, on ressent malgré tout, nous en allant entendre les témoins, les riverains, qu'il y a une vraie peur en se disant qui sera la prochaine, quoi. Il y a eu effectivement la psychose dans le secteur, à savoir est-ce qu'il n'y a pas un tueur en série qui rôde. Alors on nous a parlé d'un exhibitionniste, on nous a parlé d'une voiture blanche. C'était un petit peu effectivement l'angoisse dans le secteur. Les enquêteurs sont très inquiets. Difficile de ne pas faire le rapprochement entre ces deux cadavres repêchés au même endroit. Les corps sont attachés, l'un avec du scotch, l'autre avec une sangle en tissu. Ce sont des jeunes femmes. Elles ont été jetées à l'eau vivantes mais inconscientes. Elles ne présentent pas de plaies. Seulement quelques ecchymoses, probablement dues aux sangles et au transport de leur corps jusqu'au canal de l'Ourcq. Voilà, on fait donc ce rapprochement deux femmes dénudées, ligotées, visiblement retrouvées à quelques mètres près au même endroit, donc avec la possibilité qu'elles aient été jetées du même endroit en amont. On fait de ces rapprochements en disant « tiens, il y a des points communs ». C'est-à-dire que le fait de lien, le fait d'immersion sur des gens qui des victimes qui étaient vivantes au moment de l'immersion, c'est quand même un point commun. Si on voit ça à un an, deux ans de différence, on ne fera pas forcément le rapprochement, loin de là. Mais en si peu de temps, on se dit tiens, dans les mêmes lieux en plus, il y a quand même quelque chose qui se passe. On part avec cette possibilité de se dire on a affaire à un auteur commun.
C'est une possibilité, évidemment, qu'on envisage fortement. Et là, je dirais que vraiment l'enquête s'emballe et avec malgré tout beaucoup d'espoir, parce que le deuxième corps qu'on retrouve a très peu séjourné dans l'eau. Et donc on se dit que là, on a des moyens d'identification qui peuvent être beaucoup plus rapides et nous permettre, une fois qu'on a identifié la victime, de dérouler l'enquête de manière beaucoup plus rapide que pour la première. Des prélèvements sont effectués sur les corps des deux victimes en vue d'isoler leur ADN et de permettre leur identification. Les gendarmes espèrent résoudre rapidement cette enquête, car ils craignent d'avoir à repêcher chaque jour un nouveau corps. L'urgence est donc d'identifier au plus vite la deuxième victime. Très vite, on va s'apercevoir qu'effectivement, des parents, non loin de Fresnes-sur-Marne, dans un petit village qui s'appelle Saint-Mêmes, en Seine-et-Marne, signalent à la gendarmerie de Claye-Souilly qu'ils ont effectivement leur fille qui n'a pas donné de signe de vie, n'a plus donné de nouvelles alors qu'elle vit chez ses parents depuis le 19 juillet. Nous avons fait une comparaison avec les empreintes qui apparaissaient sur le dossier en sous-préfecture de la carte d'identité de cette jeune fille et nous constatons qu'il s'agit de la même personne. Donc avec une collègue, nous sommes allés dans les villages environnants et en passant par un bureau de tabac, en passant par un témoin, des voisins, on a atterri à la mairie de Saint-Mêmes. Et là, je suis entrée dans la mairie, j'ai demandé à parler au maire. C'est comme ça qu'on a su que l'une des jeunes filles était du secteur. Ce qui a provoqué encore plus d'émoi dans la région, du coup. Deux jours après l'autopsie, les enquêteurs savent qui est la seconde victime. Elle s'appelle Angélique Despostes. Elle habite dans le village de Saint-Mêmes, situé à une quinzaine de kilomètres de la scène du crime. C'est une jeune fille sans histoire et aimée de tous. Les gendarmes débutent leur enquête de personnalité. Une jeune fille d'une 23 ans, extrêmement gaie, on est dans un milieu simple, joyeux, qui s'amuse bien, et je dirais que c'est une bonne vivante. Elle est encore donc épaulée financièrement par ses parents, et elle se décroche des petits contrats à gauche à droite pour notamment aider à la personne, pour pouvoir effectivement arrondir ses fins de mois et essayer de décoller de ses propres ailes et trouver son indépendance financière. Mais on n'a pas quelqu'un qui est encore installé avec une stabilité de travail. On est vraiment sur une jeune femme qui démarre, quoi, qui a 23 ans, et qui pour l'instant est dans sa phase plus de je profite de la vie que de carrière professionnelle. Une jeune fille sans aucun problème, des copines, des copains, toujours aussi un peu à la quête de l'amour. Ça c'est aussi une constante qu'on retrouvera chez Angélique, mais aucun problème d'insertion, une jeune fille sans histoire, quoi. Il s'agit d'une jeune fille tout à fait classique, qui vit sa petite vie tout à fait tranquillement, qui travaille régulièrement, qui a une vie tout à fait saine, avec des amis, une famille, et qui nous est décrite comme une jeune fille très gentille, qui est vraiment, qui a un entourage très sain. C'est une jeune fille jolie, avec des petits copains de temps en temps. Elle avait une relation sérieuse pendant un an avec un garçon. Elle était très très banale et très normale. Comment Angélique a-t-elle pu se retrouver au cœur d'un tel fait divers? De nombreuses personnes se rendent aux obsèques de la jeune femme. L'église était bondée, il y avait des gens sur le parvis. C'était évidemment très émouvant. Le père d'Angélique tenait un petit ours blanc dans les mains. C'était très très dur. Tout le village était là. Les journaux s'emparent de l'affaire et font part du désarroi de la famille. Qui aurait pu croire que tel serait ton destin, et gravé sur sa pierre tombale? Les enquêteurs fouillent dans la vie de la jeune femme pour trouver des réponses et faire avancer l'enquête. Rapidement, on arrive à identifier trois personnes qui gravitent autour d'elle, donc son ex-petit copain, son petit copain actuel et un ami. Donc on les entend tous les trois en qualité de témoins pour figer la situation et voir un peu la nature des relations qu'elle pouvait entretenir avec ces trois individus. On travaille un petit peu sur eux, savoir s'ils sont connus, des services de police, de la justice. Moi j'ai particulièrement en charge le petit copain actuel, donc et on a su que cet individu avait rendez-vous avec elle par l'intermédiaire d'un texto à minuit à la gare de Villeparisis. Donc on l'entend comme témoin pour recueillir ses premiers sentiments, etc. Un autre enquêteur est chargé d'auditionner l'ex-petite amie de la victime. Tandis que le lieutenant Daniel Roussette, dans un bureau voisin, entend le meilleur ami d'Angélique. Il tente d'en savoir davantage sur la nature exacte de leur relation. C'était vraiment qu'une très bonne amie, une confidente quand même. Mais on sent également qu'il dirige l'enquête vers l'ex-petit copain.
Le meilleur ami tente d'orienter les gendarmes vers l'ex-petite amie d'Angélique, qui, selon ses dires, serait quelqu'un de violent. Dénoncer quelqu'un, c'est pas louche, mais à ce point, j'avais trouvé, par expérience, que c'était un peu forcé et en plus pas accompagné d'éléments vraiment concordants. Lui avait quand même un comportement assez trouble, c'est qu'il était très présent vis-à-vis des parents, à dire qu'il comprenait pas ce qui s'était passé, et surtout, il mettait en avant des textos qu'il avait reçus sur son téléphone de la part d'Angélique, où il évoquait, et c'était le seul à évoquer cela, dans tout l'entourage de la famille et des amis d'Angélique, y compris d'ailleurs au niveau de ses deux autres copains, c'était le seul à évoquer la commune de Fresnes-sur-Marne, sachant que cette commune est la commune où nous avons retrouvé les deux victimes. On décide donc de le placer en garde à vue, mais au même titre que les deux autres copains, parce qu'on ne veut se fermer aucune porte. Trois personnes sont donc placées en garde à vue, mais l'une retient particulièrement l'attention des gendarmes. C'est le meilleur ami d'Angélique. Il s'appelle Cyril Koskinas. C'est un jeune homme de 23 ans qui habite seul à Mitry-Mory et vit de petits boulots. Une amitié solide semble l'unir à Angélique. Ils se sont rencontrés en 2001 et depuis, Cyril Koskinas vient régulièrement la chercher en voiture dans son petit village de Saint-Même. D'ailleurs, la famille d'Angélique le connaît bien. Cyril Koskinas était un ami d'Angélique, un bon ami. C'est une relation qui date déjà depuis plusieurs années. Hein. Ils ont lié parce que ils évoluaient dans un milieu localement proche. Donc on est au début de leur histoire vraiment sur la bonne copine avec qui on rigole au travail. Et Cyril Koskinas était très apprécié de sa famille. Quand Angélique a disparu, il était allé voir la famille pour demander ce qui se passait, pour suivre un petit peu l'évolution. Il avait même parier une bouteille de champagne avec le père d'Angélique, elle rentrerait le soir même. Les voisins expliquent que c'est un garçon discret, avec un look particulier, effectivement, mais qui ne fait pas de bruit. Il est plutôt apprécié dans le quartier. L'enquête progresse. Le petit ami actuel de la victime est mis hors de cause car il présente un alibi solide. De même pour l'ex-petite amie. En revanche, l'étau se resserre autour de Cyril Koskinas. Il est a priori la dernière personne à avoir vu Angélique vivante le jour de sa disparition, le 19 juillet 2004. J'ai donc voulu savoir à qui on avait affaire et j'ai voulu approfondir son environnement. Là, je me suis rendu compte, en travaillant sur ses antécédents, qu'il avait déjà fait l'objet d'une plainte. Effectivement, une jeune femme s'est rendue au commissariat pour se plaindre de Cyril Koskinas. Les enquêteurs vont aller s'intéresser à cette plainte classée sans suite et entendre la jeune fille en question. L'affaire est classée sans suite, bien qu'elle estime qu'elle a été victime d'une séquestration. Mais l'affaire va attirer notre attention puisqu'elle évoque pendant ces 5 jours le fait qu'elle a été quasi constamment soumise à des relations sexuelles de la part de Cyril Koskinas dans des conditions pour le moins assez peu communes puisqu'elle aura été souvent ligotée. Et nous, ce qui nous interpelle, c'est qu'elle nous explique certains liens, la nature de certains liens qui se rapprochent un petit peu de la façon dont nous avons découvert les deux femmes dans le canal de Lourdes. Face à ces éléments, les enquêteurs continuent d'interroger Cyril Koskinas. Ils tentent de le faire parler et procèdent à la perquisition de son domicile. À son domicile, on va trouver des choses intéressantes. On va trouver notamment une photo d'une femme dont le visage, certes, est masqué par un chapeau, mais à la couleur de peau mate. Et en fait, on avait notre première victime qui correspond à ce teint. Pour le reste, on va trouver des revues à caractère pornographique, on va trouver des images dans son appartement laissant entendre que ce monsieur aimait avoir des posters un peu, comment dirais-je, sensuels. On va découvrir un ruban adhésif qui, après analyse, les experts nous diront qu'il peut correspondre en tout point à celui qui a servi à ligoter la première victime. Et puis également des revues
qui apprennent donc dans le milieu sadomaso à la confection des liens, un magazine dédié à ça. Avec la photo d'une jeune femme orientale et le scotch noir découvert dans son appartement, les gendarmes commencent enfin à trouver quelques éléments liant Cyril Koskinas à la première victime. La garde à vue se poursuit, mais le suspect n'est pas loquace. Ensuite, on essaie de lui faire justement décrire ce qu'il aime en matière de sexualité. Il va être très gêné, très pudique. On sent que sa vie privée, il nous le dit même en audition, c'est personnel, ça ne vous regarde pas. Ça n'a rien à voir avec la mort d'Angélique. Il cherche à éviter le sujet. Comme c'est le cas quand on a une garde à vue, je dirais qu'il n'évolue pas énormément, on essaye en parallèle, sur différentes investigations, d'essayer d'avancer, puisque Cyril Koskinas ne disait rien de particulier et qu'on avait quand même des soupçons qui nous laissaient penser qu'il pouvait y être pour quelque chose. Et donc on va s'intéresser à sa téléphonie sur une période d'un an, donc ce qui comprendra 10 000 appels et environ 500 correspondants. Donc le but en fait ça a été de contacter ces 500 correspondants, bon, déjà pour voir si ces personnes existaient, quelle est la nature de leur relation avec Cyril Koskinas. Un appel passé du portable de Cyril Koskinas le lendemain de la disparition d'Angélique attire particulièrement l'attention des enquêteurs. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est inhabituel, c'est que le 20 juillet au matin, vers 6h30, il a passé un appel à quelqu'un qu'on n'identifie pas tout de suite, pour qui on apprendra plus tard qu'il s'agit de sa grand-mère. On fait une perquisition de fond en comble chez la grand-mère. On retrouve dans des sacs de sport tout un tas d'outils SM, tout un tas d'objets SM, des menottes, enfin, tout un tas d'outils. Et là encore bien caché, dans un dictionnaire qui a été préalablement évidé, on retrouve deux cassettes d'une taille de caméscope. On lui signifie que des enquêteurs sont allés paginer chez sa grand-mère, textuellement, qu'ils ont découvert certaines choses et qu'on a de nombreuses questions à lui poser. Et directement, on lui pose des questions. À votre avis, qu'est-ce qui a été découvert chez votre grand-mère? À ce moment-là, il ne sait pas que des collègues sont en train de visionner les fameuses cassettes. L'enquête bascule. Les enquêteurs découvrent que Cyril Koskinas est amateur de jeux sadomasochistes et qu'il a filmé ses ébats avec ses différentes partenaires. L'exploitation de ces cassettes nous amènera à vérifier qu'en fait, il s'agit d'Angélique Despotes qui a été filmée et d'une autre femme qui a le visage partiellement ou totalement masqué et dont là encore, on ne voit pas nous à ce stade de l'enquête de qui il peut s'agir, on n'identifie pas. Cyril Koskinas ne peut plus mentir sur la vraie nature de ses relations avec Angélique. Depuis quelque temps, il était parvenu à convaincre son ami d'avoir des relations sexuelles sadomasochistes avec lui. Leurs ébats filmés étant désormais en la possession des gendarmes, il ne peut plus nier. C'est ce qui va amener le déclic dans sa garde à vue sur le fait qu'il va avouer. Elle va finir par dire, ok, Angélique et moi, nous étions amants. Effectivement, avec Angélique, nous avions des rapports SM. Il a pris sa tête dans les mains. Il a réfléchi pendant 30 secondes à une minute. Il m'a regardé fixement dans les yeux. Il a l'air de me demander, j'y vais pas. Je lui fais un signe de la tête. Il va dire, c'est bon, je vais libérer ma conscience. Et il nous explique qu'effectivement, il est bien l'auteur de l'homicide de Angélique, mais c'est accidentel, c'est involontaire. Il explique que c'est suite à des jeux SM que Angélique s'est étouffée. 2 heures avant la fin de sa garde à vue, Cyril Koskinas passe enfin aux aveux. Mais il ne reconnaît son implication que dans le décès d'Angélique. Selon lui, leur dernière séance sadomasochiste aurait dégénéré et Angélique serait décédée accidentellement étouffée par un bâillon. Les gendarmes poursuivent leur interrogatoire et tentent désormais de relier la première victime à leur suspect. Dit que
la première femme que nous avons trouvée dans l'eau, il ne la connaît absolument pas, qu'il n'y est strictement pour rien, même si on lui met en avant qu'il y a quand même des rapprochements plus que troubles. Il ne veut rien entendre dire, il ne dit rien sur cette première personne. Et par contre, quand on lui dit dans les deux cassettes, alors cette personne qui est masquée, il explique que c'est une amie avec qui il a eu des relations, mais qu'il ne s'agit en rien de la personne que nous avons trouvée dans l'eau. À l'issue de sa garde à vue, et malgré son silence sur le meurtre de la première victime, Cyril Koskina s'est tout de même mis en examen pour les deux assassinats le 30 juillet 2004. Afin de faire avancer l'enquête, les gendarmes cherchent à cerner sa personnalité. Son profil intrigue. Qui est ce jeune homme soupçonné d'être l'auteur de deux crimes sexuels particulièrement violents? C'est un garçon qui est physiquement pas mal, enfin, je trouve, qui a un look très particulier mais qui est pas mal, qui est grand, mince, même très maigre. C'est quelqu'un qui a une forte estime de lui, qui je pense se prend pour quelqu'un de plus intelligent que les autres. Et puis il est odieux tout le temps, notamment lors de l'instruction, il signait ses procès-verbaux avec d'une signature normale, mais en dessinant un sexe d'homme, toujours par provocation. S'il ne dit rien de sa vie, ses tatouages parlent, ses tatouages expriment des choses, c'est quelqu'un qui va exprimer des choses avec son corps, en fait, plus que dans l'addiction. De nombreux tatouages ornent son corps. Tête de mort, croix de Malte, masque morbide, et même le visage de la seule jeune fille qu'il a aimée. La façon dont il se décore, de même que la façon dont il pratique sa sexualité, renvoie à un monde intérieur macabre, mortifère et peuplé de fantasmes archaïques, destructeurs. Quand on fait son historique, il a toujours eu des relations sexuelles sadomasochistes. Le SM est une pratique sexuelle qui consiste à renverser l'ordre des choses. C'est à transformer la douleur en plaisir et le mal en bien. Donc c'est ça qui est très intéressant dans cette sexualité. On la considère comme un peu subversive. Si on définit le SM comme une relation consensuelle qui permet de se procurer du plaisir l'un à l'autre, là on n'est plus dans le SM. Sur les cassettes vidéo que les gendarmes visionnent, Cyril Koskina est le seul à prendre du plaisir. Les images révèlent que les femmes ne sont que des victimes. Koskina, c'est une sorte de pervers qui veut juste tuer des femmes, enfin les maltraiter, abuser d'elles, et qui effectivement éprouve beaucoup de plaisir. Cyril Koskina semble donc à la recherche permanente d'expériences sexuelles violentes. Les enquêteurs découvrent que lorsqu'il ne trouve pas de jeune fille consentante pour assouvir ses pulsions, il fait appel à des professionnels. Un à un, les numéros composés par le suspect sont appelés. Le but est d'identifier enfin la première victime avec laquelle le suspect a bien dû avoir un contact téléphonique auparavant. Donc sur ces 500 appels, on identifie une dizaine de numéros qui semblent correspondre à des numéros de prostituées. Via donc toutes les investigations téléphoniques que nous venions d'effectuer, on arrive effectivement à un correspondant qu'avait Cyril Koskina, qui, quand on analyse le listing des appels de ce correspondant-là, on s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a plus d'appels émis depuis le 7 juillet. Donc nous identifions les principaux clients de cette prostituée qui se présente au Meima et nous les contactons, ils se présentent au bureau, nous les entendons, ils la reconnaissent sur photo par rapport à la photo que nous avons découverte au domicile de Koskina. C'est les gendarmes qui vont contacter la famille quand ils vont penser avoir identifié cette jeune femme. La famille va dire on n'a pas eu de nouvelles d'elle depuis 2 mois, on n'était pas encore alarmés mais on commençait à s'inquiéter et puis leurs inquiétudes seront fondées puisqu'effectivement La génétique permettra de déterminer que c'était bien elle. 2 mois après sa découverte, le premier corps retrouvé est donc enfin identifié. C'est celui d'une escort girl prénommée Omeima. Il s'agit d'une jeune femme qui correspond effectivement à peu près à l'âge que nous avait indiqué le légiste, c'est-à-dire une vingtaine d'années, qui est d'origine marocaine. Et qui vit sur Paris et qui mène une activité d'escort girl. C'était vraiment quelqu'un dont on avait l'impression qu'elle faisait ça très temporairement, dans un but d'amasser de l'argent. Depuis 3-4 mois avant sa disparition, elle avait
commencé à travailler dans le milieu alors sadomasochiste, étant précisé que celui qui était son ami le plus proche dit SM soft, c'est-à-dire qu'en fait elle était dominatrice et son but, c'est ce qu'elle lui avait dit d'ailleurs, c'était quand on est dominatrice dans le milieu sadomasochiste, d'après ce que nous en savons, eh bien c'est des personnes qui n'ont pas de relations sexuelles avec les clients. C'est un moyen d'avoir rapidement de l'argent, puisque les tarifs sont quand même des tarifs non négligeables. Donc c'est vrai que c'est une réorientation temporaire qui lui permet de pouvoir... c'est une porte de sortie pour sa nouvelle activité professionnelle. C'était une femme... qui voulait s'en sortir, qui avait décidé d'arrêter ce métier peu après. Elle voulait mettre de l'argent et ouvrir un commerce. On a été amené donc à identifier ses comptes bancaires et on s'est rendu compte, elle habitait à proximité de la gare de Lyon, qu'elle avait un compte à la Caisse d'Épargne en face de la gare de Lyon. Et on avait appris qu'elle avait un coffre, donc on s'y est rendu avec des membres de sa famille pour y faire une perquisition et nous avons découvert la somme d'environ 60 000 euros à l'intérieur de ce coffre qui correspondait à ses économies visiblement. À ce stade de l'enquête, les gendarmes ont compris que Cyril Koskinas a été le client d'Omeima. C'est ainsi que les deux individus se sont connus. Durant 3 mois, ils se sont téléphonés sans jamais se rencontrer. Grâce à la téléphonie, on se rendra compte qu'en réalité, il y a des contacts téléphoniques de lui vers elle entre mars et mai 2004. Il y aura plusieurs appels où on voit qu'il y a eu des échanges verbaux. Ça ne tombe pas sur les messageries. Mais là encore, la téléphonie, quand on fait le rapprochement des déclenchements de cellules, aussi bien du téléphone d'Omeima que de Cyril, laisse entendre qu'ils ne se sont pas vus, mais simplement contactés par téléphone, jusqu'au jour où Omeima déclenche des relais pour se transporter chez lui. Mais là, on est alors le 7 juillet 2004. Le 7 juillet 2004, c'est-à-dire 12 jours avant la découverte du corps d'Omeima, et le jour où Cyril Koskinas doit pour la première fois rencontrer l'escort girl. Ils se sont donné rendez-vous pour avoir une relation sadomasochiste. Les enquêteurs tentent donc de retracer la dernière journée de la jeune femme et les circonstances qui ont conduit à sa mort. On s'est rendu compte que le 7 juillet, elle est partie de Paris et elle a effectué un cheminement jusqu'à Villeparisis en recevant 8 appels depuis des cabines téléphoniques qui provenaient de la gare de Villeparisis. Donc, sachant que Koskinas a, quant à lui, déclenché également un relais qui part de la gare de Villeparisis. En fait, quand il appelle de la cabine téléphonique, c'est parce qu'il sait très bien qu'elle connaît son numéro de téléphone et que donc, à partir de là, il ne veut pas dire qui il est. Donc, il se fait passer pour un client Y, X, qui a envie d'avoir une relation de bondage. Or, Omeima est une prostituée dominatrice. Et d'après les vidéos, Cyril Koskinas est également un dominateur. Pour attirer la jeune femme chez lui, le suspect a dû se faire passer pour un homme désirant être dominé. Lorsqu'Omeima arrive, elle ignore la vraie nature de son client. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est venue, qu'il a été en contact avec elle, qu'il est manifestement venu la chercher dans une gare. Donc elle va arriver chez lui, et puis moyennant finance, finalement, toujours selon effectivement M. Koskinas, va accepter d'avoir effectivement cette relation dominée. Pour la partie civile, cette version ne tient pas. Omeima. Donc c'est pas possible qu'elle ait accepté cela. On va retrouver la trace d'interventions chirurgicales qui ont été pratiquées par son chirurgien dentiste une petite semaine avant sa disparition. En fait, on l'a opéré pour lui enlever les dents de sagesse. Et elle avait encore un traitement contre la douleur. Et donc elle n'aurait jamais accepté qu'on lui mette un baillon avec une boule qui est dans la bouche, le baillon étant serré derrière la tête et forcément appuyant sur cette partie-là de la mâchoire. Grâce aux vidéos, les enquêteurs ont la preuve en image de ce qu'il s'est passé entre Cyril Koskinas et Omeima. Donc elle était entravée sur le lit face contre le lit. Donc la vidéo s'arrête en cours d'enregistrement. Alors est-ce que c'est lui qui l'a arrêtée pendant, est-ce qu'elle a été enregistrée, qu'il a effacée après, ça on ne le sait pas. Ensuite, elle a été jetée vivante dans le canal, c'est à peu près tout ce qu'on sait.
Alors, la thèse de Cyril Koskina, c'est que lui n'a pas tué Omeyma, qu'il l'a présenté au frère de son ex-petite amie, et qu'il leur a prêté son appartement, qu'il est parti se promener. Donc, selon sa version, il va dans la salle de bain, il commence à se coiffer, et puis, oups, ah, un cadavre dans ma baignoire. Alors, il dit aussi qu'il y avait une odeur très forte de genre cadavre dans son appartement quand il rentre. Donc il demande des explications et il obtient des explications embarrassées de ce garçon. En bon citoyen, Cyril Koskinas dit, eh bien, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, je m'en vais dans 2 heures que tout ça soit nettoyé. Donc c'est une personne en plus qui n'hésite pas éventuellement à balancer des personnes qui n'y sont pour rien, c'est-à-dire à envoyer des gens en prison. Un élément d'enquête ébranle la version de Cyril Koskinas. Le lendemain de la disparition de Omeyma, il dépose la somme de 300 euros en espèces sur son compte, ce qui est tout à fait inhabituel. Il l'a jamais fait sur 2 à 3 ans d'études de ses comptes bancaires. Il l'a jamais fait. Donc on peut en déduire qu'effectivement c'est de l'argent qu'il a pu récupérer soit dans son sac à main ou éventuellement à son domicile, bien qu'on n'en ait pas la preuve. En tout cas, c'est un élément qui est troublant parce qu'il n'arrive jamais dans son étude de compte bancaire. Cyril Koskinas tente donc maladroitement de se disculper. Mais les preuves à charge contre lui dans le meurtre d'Omeyma sont solides. Des photos de la jeune femme ont été retrouvées à son domicile, ainsi que du scotch noir. De plus, des éléments pileux appartenant à l'escort girl ont été découverts dans le sac d'aspirateur de Cyril Koskinas. Lors de la perquisition chez la grand-mère du suspect, un soutien-gorge d'Omeyma a été retrouvé. Les analyses effectuées sur les accessoires sadomasochistes révèlent la présence de l'ADN de la jeune femme. Pour les autres faits, il reconnaissait être à l'origine du décès de la deuxième victime, Angélique, mais il évoquait un malheureux accident. C'est-à-dire qu'il décrivait, alors, à sa façon, une scène sexuelle sadomasochiste, marrante et rigolote, qui aurait malheureusement mal tourné, et il aurait, à ce moment-là, il se serait souvenu de la première affaire, et que là encore, il aurait utilisé le même moyen pour se débarrasser, pour jeter le corps, pour ne pas avoir d'ennui. Je crois que c'était l'expression qu'il avait employée. Cyril Koskinas défend la thèse de l'accident. Mais les preuves qu'il incrimine dans le meurtre d'Angélique contredisent cette version. Sur les cassettes vidéo qui ont été saisies, on peut voir la jeune femme de plus en plus entravée, de moins en moins consentante. Les parents de la jeune femme témoignent que Cyril est venu chercher leur fille particulièrement discrètement ce jour-là. Autre preuve, les textos signés Angélique mais transmis après son décès. L'ADN de Koskinas et d'Angélique révélé sur la sangle rouge et sur les accessoires SM, ainsi que des éléments pileux de la jeune fille retrouvés dans le sac d'aspirateur. Le 19 juillet, elle a quitté la maison de ses parents à la mi-journée. Ils ne la reverront plus à partir, on va dire, aux alentours de 13 heures. Il lui a proposé d'essayer au moins une fois une séance de sadomaso pour voir si ça lui plairait. Angélique, elle adorait Cyril, que Cyril n'arrivait pas à avoir de petite amie, qu'il était en manque de ses pratiques sexuelles, et que bon, quelque part, elle a dû vraisemblablement se dire « je vais essayer, on va voir pour lui faire plaisir, c'est mon copain, etc. » Pour les gendarmes, c'est une enquête exceptionnelle. Car si les aveux de Cyril Koskinas sont partiels, ils ont la preuve en image de la réalité des séances sadomasochistes. On voit très bien, puisque les ébats ont été filmés, ça dure donc on a des heures de vidéo, et on voit très bien qu'Angélique, bon, qui découvre la chose, n'apprécie pas du tout, lui dit non. Elle sera rassurée par un petit bisou, mais non, tu vas voir, ça va bien se passer, un petit discours, toujours avec un grand sourire de M. Koskinas. Et lui continue, il avance dans la gravité de ce qu'il fait, et ne s'occupant, encore une fois, que de son propre plaisir et pas celui d'Angélique. On voit vraiment sur les films la croissance de la violence entre guillemets, c'est-à-dire qu'effectivement, au début, on a très peu d'harnachement, elle peut encore se débattre, et puis après, effectivement, elle est menottée, attachée, par des liens dans le dos, donc elle est les pieds et les poignets attachés, elle ne peut plus rien faire. Il filme la scène, et il indique qu'à un moment donné, il voit qu'elle est gênée, mais il pense qu'elle fait semblant. Il pense qu'il n'y a rien d'anormal. Mais apparemment, à ce moment-là,
Angélique est en train de s'étouffer. Il déclare ne pas le comprendre. À ce moment-là, le film s'arrête. C'est l'enquête qui permettra de reconstituer les tout derniers instants de la vie d'Angélique. Angélique perd connaissance, hein, ce qui est logique puisqu'elle est non seulement à l'envers, donc avec la trachée qui est dans l'autre sens, et avec le nez bouché et la bouche bouchée, donc elle perd connaissance, manque d'oxygène. Pendant qu'elle est en train de s'éteindre, et qu'elle a déjà perdu connaissance, M. Koskina, plutôt d'appeler les secours, lui il va s'amuser à passer des textos. En fait, en étudiant toujours la téléphonie de Koskinas et en parallèle celle d'Angélique une fois qu'elle sera identifiée, on se rendra compte que les SMS donc, qui sont envoyés depuis le portable d'Angélique comme le portable de Cyril Koskinas sont envoyés depuis la même cellule qui déclenche la même cellule. Là, c'est vrai que dès le départ, on a senti en gros une mise en scène et il devait jouer avec les deux téléphones. Donc on a quelqu'un qui, en fait, plutôt d'essayer de réanimer quelqu'un ou d'appeler les secours, lui, il va s'asseoir tranquillement, sereinement à côté de la victime et va commencer à constituer son alibi. Alors qu'Angélique est en train de suffoquer, Cyril Koskinas s'empare du téléphone portable de la jeune fille et s'envoie lui-même des textos afin de faire croire qu'elle est avec son ex-petite amie. Bah, finalement, il va décider de se débarrasser discrètement de son corps. Il va chercher la poubelle qui se trouve dans la cour de son immeuble. Il la monte chez lui. Il recroqueville le corps, il met le corps dans la poubelle, il descend jusqu'à son véhicule, il charge le corps dans le véhicule et là il s'en va pour Fresnes-sur-Marne. Il tourne à gauche sur un chemin de halage, il prend le corps d'Angélique dans les mains, il indique que c'est assez lourd, il a du mal, et il indique qu'il va la jeter dans l'eau alors qu'elle est encore dans le sac poubelle. Il traite ses victimes comme les objets, parce qu'une fois qu'il a terminé de les supplicier, il les jette dans le canal de l'Ourcq, encore vivante, sans s'en préoccuper plus que ça. Alors lui, sa version, c'est « je lui ai fait un petit bisou avant de la mettre dans le canal de l'Ourcq », ce qui est extrêmement romantique, d'un point de vue purement personnel. Il aurait plutôt, vraisemblablement, s'être masturbé une dernière fois sur le bord du canal de l'Ourcq avant d'avoir jeté le corps de la cliente à l'eau. Je vois plus ça que le baiser amoureux qu'il a pu lui faire. Cyril Koskinas ne semble pas réaliser la gravité de ses actes. Son attitude désinvolte, son indifférence laisse perplexe. Pourtant, a priori, rien ne peut expliquer ce comportement. Élevé dans une famille stable, Cyril a un père routier, une mère secrétaire et un petit frère. Ses parents sont des braves gens et ses parents sont complètement effondrés. Son père les défendra en disant que c'est un brave garçon, qu'il est gentil. Bon, c'est son fils en même temps, mais ses parents sont effondrés. Ses parents font peine à voir. Ils ont réagi comme auraient réagi des parents qui aiment leur enfant, avec ils se posent pas la question des faits. Ils se disent que c'est terrible, c'est évident, mais c'est leur enfant. Son histoire ne donne donc pas d'indication sur les origines de ses crimes. La perversité semble être son seul mobile, et cela met mal à l'aise. Les gendarmes ont le sentiment d'avoir arrêté un tueur en série. Alors, pour parler de série, il faut trois victimes. Donc là, on a deux victimes. Mais oui, c'est compatible, c'est plausible. On a une personnalité qui, effectivement, était quand même très à risque de commettre d'autres faits du même registre. Et je suis persuadée que de toute façon, la jouissance sexuelle chez M. Koskinas n'aboutit que dans la mort de l'autre. Donc forcément, si on n'arrête pas la machine, il continue. Il avait un peu un instinct de chasseur, de prédateur. Dès qu'il croisait une fille, que ce soit une caisse de supermarché, il est même arrivé, on a identifié une jeune fille qui, elle, avait fait composer un mauvais numéro, enfin, ne voulait pas avoir Cyril Koskinas, mais elle s'est trompée de correspondant. Et bien, il a sauté sur l'occasion pour lui proposer de la voir, alors qu'elle habitait, je me rappelle plus, mais enfin, en tout cas, pas en Ile-de-France, elle habitait peut-être sur Dijon ou Auxerre, et il lui a proposé de la rencontrer. Et en fait, voilà, il saisissait toutes les opportunités qui se présentaient à lui, pour essayer de s'attirer les faveurs des jeunes filles. Pour moi, quand il va chercher une victime trop proche de lui, il prend beaucoup de risques. S'il prend beaucoup de risques, c'est qu'il a des pulsions qu'il n'arrive pas à contrôler. Pour lui, on n'est pas dans le crime sexuel véritablement, on est plutôt dans le registre tueur en série, si tant est qu'on puisse parler de série. Parce que justement,
il y a ce plaisir à faire souffrir l'autre et puis ce sentiment de toute puissance. Je pense que les gendarmes ont arrêté une personne qui est un tueur en série qui est à ses débuts et je ne vois rien, je vois pas un seul élément qui fait que il pourrait s'arrêter. En fait, quand quelqu'un a un retour sur lui-même, quand il dit oui, j'ai déraillé, je demande qu'on m'aide, je ne comprends pas ce qui se passe en moi, vous avez un espoir, mais là je ne vois pas d'espoir, puisque de toute façon il se fiche de tout. Au dire de tous, le jeune homme se moque de l'image qu'il renvoie. Lors de la reconstitution des faits, demandée par le juge d'instruction, il laisse sa vraie nature éclater au grand jour. Il nous a vraiment trimballé, je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire les allers-retours entre Saint-Même et Pimitri Maury. Alors il est passé voir sa grand-mère, on a fait tout un détour, alors le juge d'instruction disant, attendez, c'est pas la route, pourquoi on passe par là, lui disant, oui, mais j'ai envie de passer devant la maison de ma grand-mère, et ainsi de suite, il nous a emmenés, trimballés, on a fait des dizaines et dizaines de kilomètres sans rien, et là, grosso modo, j'ai une demi-heure, j'avais compris qu'on était parfaitement dans le jeu de ce monsieur. Au cours de la reconstitution, il y a eu un petit événement assez drôle, c'est que les enquêteurs ont ramené les véhicules puisqu'ils étaient sous scellés, ils les ont ramenés, ils ont positionné un à l'entrée du box, l'autre dans la cour, puisqu'il avait deux véhicules. Et un enquêteur, ce qu'on appelle un TIC, technicien d'investigation criminelle, a posé sa mallette d'investigation sur le toit d'une des voitures. Et là, Cyril Koskina, ça a littéralement pété les plombs. T'enlèves ta merde, sinon je te casse la gueule. En plein milieu de la reconstitution. Et alors là, on est effectivement effaré de constater que depuis des heures, il promène un mannequin mort pour reconstituer ce qu'il a fait et qu'il ne dit rien. On n'a aucun signe de vie, aucun témoignage de tristesse ou de haine ou quoi que ce soit. Et que pour sa voiture, ça avait été capital. Le 9 septembre 2008, le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Melun. Et Cyril Koskinas arrive dans un accoutrement qui surprend l'assistance. On le compare au héros de fiction Pirates des Caraïbes. Ses cheveux tombant sur les épaules, agrémentés de perles rouges, son bouc tressé en deux nattes, également orné de perles de rocaille. Il n'est pas venu pour faire profil bas et il affiche d'emblée la couleur. Il est entré dans la salle d'audience et il a dit bonjour, bonjour, comme si... Je sais pas, comme s'il était sur une scène de spectacle. Et après, lorsque le dossier va être évoqué, ça ne sera que provocation, puisque moi j'ai eu la chance d'être invité à participer à des scènes sadomaso également. Il a fait cette invitation également au président, monsieur Jacob. Et dès que l'étau se referme et qu'il commence à être pris, il sera à sortir toujours comme ça, par un peu d'humour éventuellement, ou éventuellement de l'agressivité. Il m'avait dit de toute manière, maître, moi, je sais que je vais payer, donc... ils veulent me faire de moi un monstre, je serai un monstre, et je lui avais dit surtout n'allez pas dans cette voie-là. Très rapidement, on s'est tous mis un peu à le détester parce qu'il faisait tout pour se rendre détestable, il était odieux et très arrogant, très sûr de lui, et son procès, c'était son heure de gloire. Il a plusieurs fois sidéré la salle et il applaudissait, il riait, c'était monstrueux. Oui, en fait, il a dit qu'il me trouvait plus péteux pendant le procès que lors de la garde à vue. Et que je faisais le fier de mémoire avec mes Santiago sur le bureau. Alors chose qui est complètement fausse, parce que d'une, je ne mets pas de Santiago, de deux, je n'ai pas procédé à son audition. Bon, je pense que ça fait partie du personnage aussi de se montrer, d'essayer un peu de rabaisser les gens. Donc effectivement, après ma déposition, et après le tour des questions, il s'est levé pour dire qu'il pissait, donc je reprends son expression, sur mes normes sociales. Donc ce qui était surprenant, parce que je n'ai pas de normes sociales, je ne suis pas là pour donner des normes sociales, c'est pas du tout mon rôle. Et le président a été obligé à plusieurs reprises de le rappeler à l'ordre en lui disant, enfin attendez, on est quand même en train de parler de la mort de deux jeunes femmes, donc on va arrêter les plaisanteries douteuses, enfin... Voilà, donc en tout cas, ne manifestant pas, alors pour Mema, aucun regret puisqu'il n'en est pas responsable dans sa théorie, et puis alors pour Angélique, exprimant quand même, parce qu'on l'y pousse, quelques regrets, mais pas très concerné par ce qui est en train de se passer. Le 16 septembre 2008,
Cyril Koskinas est condamné à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 18 ans. Je m'inquiète pour l'avenir, sachant que M. Koskinas est quelqu'un de très jeune, qu'un jour ou l'autre, sauf si vraiment chacun fait très attention et fait correctement son travail, il va être remis en liberté, à l'âge où, autour de 50 ans, on peut être en pleine puissance sexuelle, il y a lieu de craindre que les femmes qui croiseront son chemin à ce moment-là vont être de nouveau victimes de M. Koskinas. Je crois que là-dessus, il faut être vraiment conscient, et c'est malheureusement très pessimiste ce que je dis, mais c'est une réalité, les experts le disent, la récidive est évidente chez M. Koskinas. Oui, c'est un accusé inquiétant, particulièrement inquiétant, parce qu'il ne se remet jamais en cause. Jamais, jamais, jamais.